Merci à tous pour vos chaleureux applaudissements. C'est un spectacle très agréable. On a vraiment ressenti en coulisses la chaleur du public et il y avait une bonne entente, une très bonne ambiance aussi dans les coulisses. Ce spectacle a vraiment une saveur toute particulière pour moi puisqu'il s'agit des 30 ans de l'école de danse que j'ai montée donc en 1987. 30 ans, ça fait beaucoup, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Mais je ne m'en suis pas rendu compte, ça passait très vite, ça a été vraiment un plaisir de travailler ici à Montaigu. Les parents ont été parfaits, les élèves aussi. Un grand merci aussi aux éclairagistes qui ont bien fait leur travail. J'ai beaucoup aimé aussi accueillir des anciennes élèves qui sont venues pour l'anniversaire de l'école. Se produire ici. Il y a eu, vous avez dû voir un petit peu l'historique sur le programme qui vous a été distribué en début de spectacle. Donc les Lucie B étaient présentes ce soir, Lucie Blin et Lucie Bordron. Elles ont commencé la danse ici. S'appelle Lucie Bordron et Fatou. Je parle à ta place, tu veux pas parler, c'est ça, voilà. À l'âge de 6 ans ici, donc après elle a eu un bon parcours professionnel et maintenant elle est professeure de danse pour la ville de Paris et elle vient de créer sa compagnie et elle vous a dansé ce soir un extrait en avant-première en fait. Voilà, et ça m'a fait vraiment très bien. Il y avait aussi Lucie Blin, qui est arrivée l'année de l'ouverture de l'école, en 1987. Voilà, elle est aussi revenue ce soir pour nous. Elle a dansé un extrait de Cendrillon, ici en 1993, elle a interprété Cendrillon dans un spectacle que j'ai monté à l'époque. On était à la salle des fêtes, malheureusement on était dans de très mauvaises conditions. Mais maintenant on a un beau théâtre, donc tout s'est arrangé entre temps. Donc lorsque je lui ai parlé de l'anniversaire de l'école, spontanément elle a voulu danser un extrait de Cendrillon, une version contemporaine, puisqu'à l'époque elle avait dansé une version classique. Voilà, il y avait également de la danse de salon dans ce spectacle, enfin il y avait pas mal de choses. Elle a tenu le premier rôle, elle était vraiment jeune, et à partir de là, c'était une évidence qu'elle allait devenir professionnelle. Voilà. J'aimerais remercier aussi Joël, qui est toujours présente à l'école de danse. Vous êtes nombreux à avoir eu affaire à elle. Elle est également là depuis le début. Et en fait, on s'est rencontrés en maternelle à Montaigu. Voilà, je suis native de Montaigu. J'aimerais également remercier ma collègue avec laquelle je fais mon premier spectacle ce soir, Julie Cara, qui a très bien travaillé. Thank you.
Et maintenant, je vais prendre la parole parce que je pense que quelqu'un mérite aussi des applaudissements. On va remercier et applaudir très fort Rose Noël. Ce soir pour vous raconter un petit peu l'histoire de Rose Noël à l'occasion des 30 ans, puisque vous la connaissez tous un peu, mais pas forcément dans les détails. Donc pour refaire un peu son parcours, elle a d'abord commencé par pratiquer la gymnastique avec sa sœur, car elle était trop jeune pour démarrer la danse à l'époque. Et elle s'est illustrée en représentant brillamment l'école de gymnastique de Montaigu aux championnats départementaux, et en revenant avec une belle médaille à l'époque. Ensuite, elle a fait ses premiers pas sur un parquet avec ses petits chaussons en démarrant les bases de la danse classique à Montaigu, elle avait 8 ans. Très vite, son professeur, Madame Lévesque, a décelé en elle des capacités hors normes et elle a donc été entourée et encouragée dans cette vocation. Son professeur, certain de ses talents, l'a incité à partir pour le conservatoire un an pour se perfectionner en danse classique. C'est donc toute seule, très jeune, qu'elle s'est installée dans un petit studio près de la cathédrale à Mans, pour aller suivre des études de danse classique au conservatoire, tout en préparant son baccalauréat, option musique et danse. Son bac en poche, elle décide de partir pour Paris afin de préparer auprès de professeurs de l'Opéra de Paris à l'Institut pédagogique des arts chorégraphiques, des diplômes de professeur de danse classique et de professeur de modern jazz. C'est ensuite munie de ses précieux bagages et encore très jeune qu'elle revient aux sources à Montaigu, où elle fonde son école donc en 87, comme vous avez pu en entendre parler ce soir. Elle a au départ partagé son temps entre ses cours à Montaigu et des cours dans un studio de danse parisien. Quelques années plus tard, elle découvre la danse de salon et c'est la révélation pour elle. Son école prenant son envol, elle s'est ensuite entièrement consacrée à ses élèves vendéens. Elle va donc ajouter à son arc un diplôme en danse de couple à l'Académie des maîtres à danser de France. Et comme elle ne fait jamais rien à moitié, c'est directement en Argentine qu'elle part perfectionner son tango argentin. Après 30 ans d'activité en tant que danseuse, professeure, chorégraphe, elle est maintenant à la tête d'une école qui regroupe beaucoup d'élèves, comme on a pu le voir ce soir. Et c'est donc une belle réussite dont elle a toutes les raisons d'être très fière aujourd'hui. Pas là, du coup, je vais passer la parole à l'adjointe à la mairie à la culture qui souhaite également prendre la parole, Michel. Merci. Bonsoir. Bonsoir Rose Noël. Bonsoir tout le monde. Donc, je ne sais pas si on s'est connus à l'école ou sur le chemin de l'école, parce qu'on était quasiment voisines. Donc ce soir, c'est Joël qui m'a appelé il y a quelque temps, qui m'a dit « Est-ce que tu ne voudrais pas dire un petit mot le soir du 30e anniversaire ?» Tu m'as avec grand plaisir. Donc moi, j'ai fait partie des premières élèves, donc la première année. Mais c'est vraiment en tant qu'adjointe, donc à la culture et au patrimoine, que je voudrais te féliciter pour la qualité de ton travail. Je pense qu'on a beaucoup de chance sur le territoire d'avoir une école de danse de cette qualité. Bravo pour tout le travail que tu as fait pendant ces 30 ans. Bravo pour toute ta rigueur, ta persévérance, ta bienveillance envers chacun. Et je suis très fière ce soir de te remettre, au nom de la municipalité de Montaigu, la médaille de la ville de Montaigu.
Et donc je passe la parole maintenant à Lucie. Je vais essayer de ne pas pleurer déjà. Ben, tout d'abord, un grand merci à toi, Rosoël, de nous avoir accueillis ici pour les 30 ans. Ça fait... C'est beaucoup d'émotions de revenir ici, de revenir danser ici. Ça faisait 24 ans, je crois, que je n'avais pas dansé à Montaigu. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'émotions et c'est une grande joie et un grand, grand plaisir d'être là. Donc merci à toi. Merci aussi, bien sûr, à l'équipe technique qui a assuré ce soir. Merci beaucoup. Et bravo aussi, bien sûr, à Julie, aussi, je ne sais pas où elle est, mais voilà, bravo aussi. Bravo à tous les élèves, et puis surtout un grand merci aussi au public d'être aussi nombreux ce soir, parce que c'est impressionnant de vous voir. Donc, je vais passer la parole à l'autre Lucie. Et puis, bah, juste vive la danse, voilà. Alors, c'est toujours compliqué quand on est danseuse de parler en public. Alors, Rose Noël, écoute, quand on se destine à une vie de danseuse, les premiers enseignements qu'on reçoit, on ne les oublie jamais. Et ces premiers enseignements, c'est toi qui me les as donnés. Et toi-même, tu sais que j'ai eu une adolescence compliquée et si je m'en suis sortie, c'est grâce à toi, en partie. Et pour ton cœur, ta générosité, ton écoute, vraiment merci. Voilà. Du groupe de danseurs de salon du mercredi soir. Nous avons débuté nos cours avec toi presque tous à la même époque, c'est-à-dire fin des années 90. Donc c'était hier. Nous sommes venus apprendre à danser en 3 mois. Inutile de vous dire que nous avons dû redoubler énormément puisque nous sommes encore en cours avec toi. Il faut probablement beaucoup de patience pour enseigner à des personnes qui se décident à la quarantaine bien tassée de prendre des cours de danse. Mais aussi beaucoup de persévérance de la part des élèves. Ce n'est pas si simple que cela paraît, mais quel bonheur de voir les progrès en quelques mois. Merci pour cette patience ainsi que pour la qualité de ton enseignement. Nous te souhaitons de poursuivre cette belle carrière aussi longtemps que tu le souhaiteras, espérant que notre exemple donne envie à d'autres danseurs de suivre nos pas au sein de ton école. Merci. Et je vais terminer en étant le porte-parole de Françoise, qui n'a pas pu être là ce soir, donc Françoise qui était professeure de danse pendant 11 ans auprès de Rose Noël. Rose Noël, j'ai passé 11 années à tes côtés au sein de ton école de danse. J'y ai vu défiler de nombreuses danseuses et quelques plus rares danseurs avec lesquels j'ai pu partager de magnifiques moments durant les cours et les spectacles. J'ai beaucoup appris à tes côtés sur le plan professionnel. Comment les chignons doivent être tirés à 4 épingles et comment les costumes doivent être impeccables. Ton exigence et ton savoir-faire permettent à tes élèves d'atteindre un excellent niveau technique. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai quitté il y a maintenant 2 ans, mais je savais que la relève était là grâce à l'arrivée de Julie. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Françoise. Et j'ai pu partir l'esprit tranquille, c'est promis. Je suis certaine que le spectacle de ce soir était magnifique et je vous souhaite à tous, et plus particulièrement à toi, Rose Noël, le meilleur pour les 30 prochaines années. Avec toute mon amitié, Françoise. Alors, je vous adore tous, mais ce sera pas... Je vais renouveler, mais pas pour 30 ans, je ne pense pas. Merci à tous, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et quand j'aurai des moments de doute, des moments plus difficiles, je repenserai à cette soirée. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à tous.
la brioche, le gâteau d'anniversaire qui était là tout à l'heure pour le final, va être découpé et je l'offre, j'offre une part à chacun de mes élèves. Voilà, merci à tous. Bonne fin de soirée.